Yon l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec TV Caraïbes depuis Mombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous va développer trois points pour une information. Mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes, vle remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours quitte un commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Mombado Police, équipe TV Caraïbes, nous apprécions ça en pile. Eh bien, nous va perdre temps là. N'a déroulé avec information yo. En oué, avocat l'État haïtien a fait demande de saisissement contre juge d'instruction Mélan Belab pour capable déporter sous dossier qui opposait l'État haïtien à son général. L'autre information nous gagne pour président parti construit la via invité tout secteur dans vie nationale là pour continuer avec dialogue yo pour capable porter solution à problème pays a fait face dans dernier temps ça yo. Et nous voulons partager ensemble avec vous tout responsable dans primatie organiser un atelier travail qui réunit divers secteurs dans vie nationale pour capable élaborer un document pour respecter droit monde et pour capable faire droit monde venir en réalité ici en Haïti. Ces informations ça nous porter pour avec plaisir l'autre bonus et bien nous pas perdre temps non là. N'a commencé coulier. L'État reste en possession de VAO 1 et de VAO 2 pour les faire monter fonctionner et jusqu'à nouvel ordre suppléer à ce général jusqu'à ce que conflit ça qui est plusieurs têtes yo joigne une décision judiciaire finale. Peut-être comme on dit une troisième pas même des conséquences mais un élément important pour nous signaler c'est que dans le cadre de ce dossier l'État ici c'est pas un parti qui est au-dessus de aucun autre parti, c'est une partie comme toutes les autres parties, et ni exercer ou ni utiliser les moyens et voies de droit que n'importe qui parti capable d'utiliser. Donc je pense que c'est une bonne chose pour l'état de droit que nous voulons construire dans le pays. Et l'autre bagaille encore pour nous faire remarquer, c'est que l'accusation en masse que nous te faisons, nous te dis ça très clairement, nous autres, le cabinet février, c'est Ephésien, Fézio Canton, Révivonus, que nous avons dirigé, et lui, qui concernait les affaires civiles, le référé, il était en rapport avec les actions que ce jeune homme a fait pour mandat et pour reprise vers 1 ou 2. Maintenant, pour l'aspect pénal, peut-être que nous avons déposé, nous avons acheminé dans le cahier doyen, doyen a désigné un juge qui est maintenant Mélan Belab. Maintenant, malheureusement, doyen fait choix ça, il a oublié un élément important, c'est que le juge Mélan Belab gagne sa réunion en droit immunité capitale entre lui-même et maître Stéphane Février. Parce que le traité de 6 ou des que nous connaissons, j'ai un petit prêtre, c'est que lui a été mort. Et d'ailleurs, la tribune créé un malaise entre deux magistrats. Certainement, nous sommes que le juge Belab a gagné pour déporter le dossier. Mais pour toujours, dans l'esprit, pour nous gagner une saine distribution de la justice dans ce dossier, eh bien, nous faisons cette fois-ci une demande en dessaisissement. Conformément à l'article 429 du Code des sociaux criminels, et il faut nous dire que nous action de saisissement ça, la cassation claire sous lit, là nous prenons arrêt 22 novembre 51 ou bien 2 novembre ou bien 26 novembre 1906, il dit très clairement, le juge nous fasse une telle situation, un juge d'instruction pour protéger l'honorabilité lit. Et bien, il faut que ce soit à statuer. Maintenant, nous ne pouvons pas qu'une décision de la loi pour ta retirer comme pour ta permettre de choisir l'autre, mais c'est encore à temps de décision de la Cour de cassation. Mais pour ça, il y a une limite capitale qui vient causer une suspicion légitime. Et donc, le dossier a pas capable de traiter par M. Belab. Et d'ailleurs, article 436 code de procédure civile l'a dit très clairement, le juge qui est illimité capital, tout même un avocat de une partie, c'est une cause où il a récusé. Et nous connaissons que
Et même le parlement de saisissement, on va dire action de saisissement, demande de saisissement, demande de renvoi ou bien demande en suspicion légitime, c'est les mêmes éléments que le code procédure civile la baille pour l'accusation capable d'utiliser. C'est-à-dire que pour ce dossier, nous sommes à ce niveau. Mais hier, jeudi, les avocats de l'Assemblée générale ont fait opposition à l'État haïtien. Baron qui l'a traité, mais ils ont fait un acte extrajudiciaire. Ils ont dit à l'État haïtien qu'il ne faut pas être capable d'utiliser les matériels et certains matériels qui viennent dedans, surtout dans Varo 3, c'est pour le lien et une dette la banque sous lit. Mais maintenant, nous sommes en train d'acte de ça. Au contraire, ça est capable de faire une rédaction pénale encore contre mon sous-général, que nous ne pas révéler là, nous pas révéler stratégie, mais il a fait une opposition, il a dit l'État ici, pas moyen, et Varo 2, et tout connaît que Varo 1 et Varo 2, c'est propriété de l'État haïtien. En gros, le dossier est là, ça pour que la population comprenne, c'est que nous avons fait un ensemble d'actions qui fait que nous focus sur restitution 123 millions de dollars sur facturation que ce génère et lui prend de manière indue dans les détails, c'est de manière indue dans la mesure où se facturer, c'est faire dans un pays ça que n'est pas de payer et il y a plusieurs cas comme ça et tout est élevé pour plus pitié à 123 millions de dollars, pour plus pitié c'est que c'est sous 8 ans, or en 4 ans pas gagné aucune étude qui fait sur ça. Donc non sans ça nous déjà fait une position de loi civile sous compte de monsieur Généraux sous avoir yo, et nous toujours identifier l'autre bien et pour être capable de permettre que l'État récupère l'argent ça. Nous initier le dossier de l'ONA à travers une requête que nous adressons au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le tribunal de première instance de Port-au-Prince, côté que nous demandons au parquet pour lui capable d'ouvrir une enquête sous des prêts douteux, des prêts suspects qui fait depuis ces 20 dernières années. On aurait pu aller plus loin. Par exemple, nous sommes dans le tribunal de l'ONA dans la 2006-2007 et dans l'affaire sociale et nous avons fait une étude vraiment très partielle qui a montré que les plus que 20 milliards de dollars que l'on a gagné dans la rue, soit de monde. Ils ont fait effacer dette pour passer au chef, soit des mouns, ou les caillons, on a fait jeune caillou, ou bien mouns qui perdent des cailles, et dans l'ONA, parce que des fait des pas capable de payer, et bien l'ONA pas même un casaoui, il y a des mouns qui détournent, des mouns qui sont depuis tout le temps, hein, on a c'est une véritable caisse noire pour mouns qui a dirigé. Je vais prendre par exemple sur l'armée des gens qui viennent jouer pour la Luna avec nous seuls coup de talon, bien saluer, c'est seulement sous chef, sous militants, puis pour les gens qui sont dans la politique qui jouent bien pour la Luna, mais parce qu'il y a une garantie. Or, ce que nous voulons que la population comprenne, c'est que l'argent Luna, d'abord, c'est pour ouvrier, c'est pour assurer, c'est pour pensionner. Eh bien, nous qui donnons des priorités. Dans le prêt, c'est le monde qui est dans le facteur, c'est le professeur, c'est le monde qui est dans le système de valeur. Après tout texte qui est rapport à l'UNA, comprend la loi du 28 août 1967, ou bien le décret du 4 novembre 1974 sous prêt hypothécaire, il est priorisé et le travailleur. Par exemple, le décret, ça a donc que. Gagner un service de prêt hypothécaire dans l'ONA qui vient comme principale mission permettre de travailler avec un cas de priorité. Ce n'est pas pour permettre de gagner plusieurs cas, 10, 15, 20 cas. Ce n'est pas pour permettre de faire un hôtel avec un musicien. D'ailleurs, on prend
article 11 de Kresa, il dit que si on y a déjà, et il y a protocole pour faire activité professionnelle. Donc c'est toute précaution qui a pour que font ça, les séparer équitablement en multi en système sécurité sociale. Ça, nous voulons parler des pensionnés, des assurés, des employés de l'ONA qui environ 406 000 monde et dans tout le pays. Et donc, il y a des prêts qui paraissent suspects. Par exemple, un monde où il y a toujours des garanties qu'on paye pour prêt, qu'on paye régulièrement. Maintenant, condition que j'aime prêt, ça est capable de prêter à l'équivoque. Et lorsque il y a des présomptions de pôle 20, lorsque il y a des présomptions de trafic d'influence, de gens qui parlent d'une commission illicite, eh bien, ou tomber directement dans la loi du 9 mai 2014 sous corruption, sous les actes de corruption. Et puis, depuis l'absence de transparence autour de certaines transactions que l'on a fait, on a pris deux, trois programmes. Le programme qui est, on a marqué ma pharma. Gagné, par exemple, nous prenons extra market là-dedans. Le plan Madame Immacula Carmen Cantave, qui serait la mère de Yuri la Tortue qui la donne, le plan plusieurs maquettes de l'Immac qui la donne. Il y a un programme comme ça. Est-ce qu'un plan est le meilleur au Conel? Est-ce que Assuré Rona? Parce qu'on dit que nous, dans tout pays, qui est Assuré Rona, qui est un plan est le meilleur, on est capable d'acheter, on vend près de 20% rabais sur médicaments et sur produits qu'on va acheter dans la maquette, dans la pharmacie. Ça. Est-ce que nous avons connu, est-ce que la population connaît? Est-ce que nous avons des marquettes tout dans le pays? Parce que ce, nous avons des marquettes qui ont mis en place. Est-ce que nous avons connu? Est-ce que nous au courant? Qu'est-ce qui s'est fait pour nous être au courant que le programme de la Capcosa, 710 millions de gouttes, le programme a commencé depuis à partir de 2016-2017, et certainement, il y a deux versements, deux à trois versements, il y a trois mêmes différentes là-dedans. Mais est-ce que la population est au courant? Est-ce que nous avons le gouvernement au courant pour être capable de bénéficier de l'avantage? Mais même là, le marque a permettre que l'employé assure des avantages. Mais est-ce que ça lui profite à la production nationale? Et un autre exemple, malheureusement, nous prenons, c'est que Madame Cantave, qui était dit dans le programme ça, et du programme qui est le supermarché de Gonaïf. Et que pour nous, dans le programme ça, il faut une maquette de nos pharmacies. Et puis on prend l'argent ailleurs, y aller, y faire. Pour aller dans la production zoavelle. Bon, c'est très bien pour la production nationale. Mais son détournement lié. Parce que le programme a été établi pour permettre que l'employé ait un médicament, assurer un médicament avec produits et alimentaires à bon marché dans des marquettes qui sont un peu partout dans le pays. Maintenant, qui est-ce qui est fait dans le contrat ça? Qui sport qui fait pour te dire que bon, le parvenu des hôpitaux au lieu de leurs produits dans la marquette? Donc, c'est des bagages qui paraissent suspects. D'abord, absence de transparence, sans compter gagner et détournement qui fait parce que l'argent pour ça le découvre dans sa tête. Et là, ça va faire même. Là encore, maintenant, nous, est-ce que presse à eux le fait selon l'esprit et la loi organique de l'ONA? Est-ce que le fait selon l'esprit et la loi décret 4 novembre là, qui, chassent contre ça, qui traitait des prêts et les hypothécaires? Nous devons avoir dit. Il y a des bagages qui paraissent encore suspects. Lorsque l'on a même dossier ça, où je viens de réseau market, ça, original pour les impostateurs, malheureusement, nous sommes dans l'île. Et puis, le aller tout, dans même autoplaza, je viens de la même période là. En situation financière, qui a vocation sociale, qui l'a pour sa pipe au vieux. Et puis, où je viens en premier prêt, où je viens de M. Boulogne-Staden, à travers le réseau market, où je viens de deuxième pour autoplaza. Qui sert au bail comme avantage pour permettre que l'employeur a une réduction spéciale auprès de 700 millions de gouttes que vous faites à Autoplaza et puis l'employeur a une réduction spéciale sous machine que vous achetez, sous pièce machine que vous achetez, machine que vous avez gagné et entre 10 à 20% de rabais. Mais écoute, malheureusement, vous avez l'argent pour acheter une machine neuve dans Autoplaza, j'ai une machine à vendre cher. Donc ça semble avec une vaste opération de supercherie d'escroquerie. Et donc l'agence ça eux, on a été capable de prendre, il fait, l'autre bagage vous servir à assurer, parce que ça de priorité de l'ONAC, c'est assurer pensionner jusqu'à présent, il y a des gens qui pensionnaient, mais l'ONAC n'a pas touché le coup de moi.
Depuis que 70 ans, 75 ans, 80 ans, l'autre, tout comme ça, on a au bas de la pour faire business pour une virus. Ça peut être là, t'es intérêt 3%. Et bien, là, même tout, qui m'a donné dans la machine, si tu as fait un programme comme ça, faites-le au mieux pour nous. Le monde capable de bénéficier de près de 3%, ça ne va pas croiser ma chère. Parce que le monde qui va vendre la machine, il va prendre un coup de pique, coup de poing dans l'arrière, c'est 20% là et 30% là. Donc, l'État lui-même n'est pas capable. Là pour la craser, le marché craser, majorité de monde, pour timide minorité de monde, leur prendre des avantages encore, et autoblasage pour rembourser la totalité pour ça après 6 ans. Après 6 ans, la baille 20% par un produit et rembourser tout capital là, mais il y a un intérêt annuel de 3%, alors que sur le marché national n'est pas comme ça. C'est des bailles qui sont suspectes. Et puis, troisième exemple, gagner au Fatma. Qui a acheté un terrain dans le même, il s'en encore, dans le même sous-boulos, à travers le prêt dans l'ONA. Environ 6 millions de dollars américains. Il y a un terrain dans une zone de voyage, même si ça n'a pas de voyage. Maintenant, il faut nous questionner, il faut pas qu'il y ait une enquête pour connaître est-ce que le terrain ça vaut comme ça vaut. D'autant plus que, au FATMA, il est prêt pour le faire déjà. Que va en carrément une amie, l'autre institution financière, l'autre d'appeler, puis il y a la ton terrain, et qui est-ce que nous avons encore? Monsieur Boulos. Mais non, dans tout côté, il y a combat de corruption, ça a demandé une étude pour eux, et qui s'est passé? C'est pas de plus de 20. Est-ce que par le trafic d'influence, et puis c'est pas sûr, c'est pour ça que nous on n'a pas fait pour nous, on n'a pas fait pour les minorités. Et nous disons encore, l'autre monde dans le secteur privé a tout accès à l'ONA, tout c'est depuis remplir toutes les conditions, c'est pas qu'on petit groupe monde et dernier exemple que nous avons pris, c'est le déplacement que l'on a fait. L'autre article 207, loi organique ONA qui datait du 28 août 1967, il dit que les placements de l'ONA en Haïti doivent être rentables, du fait de des conditions rentables. L'autre en côté couvert et oasis, l'ONA a environ 5 millions de dollars. Et puis, depuis le dernier coup, il y a un bon goût. Il y a actionnaires élevés, mais pas un bon goût. Et ça fait que nous avons déjà lancé un appel avec les dirigeants oasis pour commencer à repli. Il y a vraiment aussi l'on a cobli. Comment il va le faire? Parce que, en fait, dans les conditions à nous autres, comme avocats, pour dialoguer avec eux, oui, avec nous, là, on va la fito tout. On prend la fito, l'argent on a fait nous deux pour le monde, secteur. C'est-à-dire secteur ouvrier, et pour une classe et populaire, et pour capable d'améliorer les conditions, il y a environ 7 millions de dollars de la vie dans la phyto, de la pour un bon goût, pour un bon goût de Bali. Et puis, tout le monde va pouvoir fonctionner, et donc, il faut une explication qui va, il faut un remboursement pour le monde, en attendant que l'agence a eu le droit de mettre de l'autre côté pour faire petit. Et pour, donc, et, au niveau de la phyto, ou au niveau. Et Oasis, le coordinateur est très actif pour l'agence à rejoindre. Donc, il est capable de répondre à une question là justice. C'est des pistes que nous allons porter par le parquet parce que nous faisons une demande pour demander pour faire ouvrir une information judiciaire. Mais après ça, il y a des cas particuliers. Nous allons sur eux. D'abord, nous allons soumettre des gens qui nous des parlementaires qui entrent pour machine dans le programme payé. Seul ça va donner comme garantie, c'est mandat de par incompétence politique qui allait prendre plusieurs millions de à acheter la machine. Or, par aucun côté le prévoit. Non, là, on va avec l'ONA. Mais c'est-à-dire l'esprit même de la loi. Ce n'est pas pour permettre de faire chèque de machine, mais c'est pour permettre nous qui ne classe ou vous avez travail dû que l'air entraînage, que la situation est capable de changer, que vous avez une priorité, pour capable vivre dans des conditions décentes. Donc, action ça a eu. Nous visons d'abord pour permettre l'État de récupérer des biens que nous avons perdus, que nous avons mal employés. Et nous sommes capables de tout. Des prêts comme ça qui font des moyens pour commencer par le dialogue avec des gens qui sont mal employés pour eux, si vous avez une bonne foi. Maintenant, si vous n'avez pas témoigné une bonne foi, nous serons bien obligés d'utiliser ou bien d'emprunter la voie. Et contentieuse la voie des tribunaux, mais nous autres, cette étape plus importante pour nous, c'est d'arriver là, c'est à permettre que la France retourne dans la caisse d'État, et dans la caisse d'ONA en particulier,
pour que assurer, pensionner, on mettait à ça un peu sur pensionner, nous là c'est pour nous ça en fait. Nous qui venons en petit pension là, parce que ça peut nous comprendre. Un paquet de gens, un paquet d'étrangers qui te commencent à cotiser dans le monde, qui allaient quitter l'argent, ils ne pas bénéficier de même. Un paquet de gens qui étaient en Haïti, haïtien, qui quittent le pays, ou bien qui font moins que 10 ans de cotisation, qui arrivent à la restitution. Donc ce paquet de l'argent, dans le travail, ils ont quitté le système là pour les gens qui sont plus faibles, qui sont plus mal, mais malheureusement. Et c'est vraiment le crime. Et social qui parle de nous, c'est le plus riche qui a bénéficié de l'argent. C'est une autre forme d'esclavage que nous devons résoudre et de manière pacifique dans le dialogue. Et nous avons remis son message avec tout haïtien, monde qui est employé, et l'ONA, monde qui est dans la classe ouvrière, qui est dans la factory. Mais pas c'est pour nous. Il faut nous caler, il faut nous être vigilants, il faut nous faire fait et bataille contre la corruption qui a mené dans le pays. Dénonciation ça a eu le meilleur côté pour canaliser sur le meilleur côté c'est l'ONA parce que si l'agent l'ONA a fait ça, il doit faire depuis 1967, il va taper toute pauvreté ça a eu dans le pays. Donc, il faut nous être vigilants, garder sa part à faire, garder notre institution à faire dans la bataille pour récupérer l'argent ça a eu, même déjà avec la bataille pour récupérer plus que 123 millions de dollars. Dans le dossier sous général. Et puis, après ça, nous devons aller dans l'autre monde qui est de l'État. Et si ça fait, il faut être vigilant. Pour l'agence, il faut être sûr que l'agence, ce n'est pas subissement, il faut être jeune parlementaire qui est l'un des chefs qui va le fourrer dans la poche. Mais il faut nous battre, il faut nous vigilant pour nous sûr que l'agence, c'est le service population qui va aller pour les policiers qui a touché mieux, professeurs et médecins. Là, il y a des gens qui ont été en train de faire pas toucher 15 000 gouttes. Donc, c'est dans ce sens ça pour nous rebattre là, mais c'est pas le cas, il faut nous mettre vigilants pour que l'argent ça aille, parce que nous apprenons qu'il y a une reprise des activités, et qu'il y a plus de monde qui commence à venir payer, soit au VH, soit en DGI, à la suite de l'action que nous avons menée. Donc, il faut nous suivre, parce que nous sommes comme avocats, nous ne pouvons pas prendre toute l'argent ça va aller. Donc, il faut nous vigilants pour que nous suivre l'argent ça aille, nous allons dans le service. Nous. Pas là comme Allié PHTK, nous siens, parce que nous croyons dans le contenu à quoi là, nous croyons dans des massacres qui ont fait là, qui parallèle à l'accord Mariotte là, donc c'est pour ça que nous siens. C'est nous-mêmes, chaque individu dans le pays, même les gens qui victimes, ils ont besoin de changer tout. Parce que leurs victimes, c'est mon nous, pas envie de faire revanche, oui. On cherche un gens, comment on pourrait mettre ça au fond là, oui. Et je ne veux dire, mon qui victime n'a pas gagné l'État, pas gagné la justice, pas gagné même l'État peur, oui, même la justice peur, oui. Ça veut dire, ma besoin, jusqu'à aujourd'hui là, c'est l'opposition croatoire à travers, oui. Ouais, je dis, il y a pas chez dans l'autre département pour y aller faire manifestation, pour y aller ouais, comment il a fait même ça, il a fait dans l'Ouest là, il ouais, il perdu dans l'Ouest là. Donc ça veut dire que, ma besoin du pour l'opposition, conséquence. Sa opposition a fait incapacité opposition immaturité et opposition absence de savoir faire la cali crétinisme nanisme météo dans situation ça réduit presque à rien du tout mais c'est parce que pouvoir incapable oui qui fait opposition il continue pour aller dans l'île pour aller à là donc moi crois que incapacité absence de savoir-faire et manque de maîtrise d'environnement politique là et mais il fait que justement libre sorgain là instabilité politique déstabilisation économique au pays pas marché insécurité généralisée et donc conséquence j'en dis n'a pour beaucoup plus visiblement dans 6 mois dans 1 an mais comme qu'on y a bon focus sur question politique là à cause de visite des émissaires américains des États-Unis qui prend crise ça en charge ou pas gain temps pour palper réellement les problèmes sociaux les problèmes économiques ouais mais y a vini mais nous quoi encore une fois ces dialogues qui pour permettre que justement chaque
et entité ni le pouvoir ni l'opposition reconnaître faiblesse donc là en faiblesse c'est chita chita proposition yo pas bien détaché de samedi déjà de dialogue inclusif là et président de la République a annoncé avant 31 décembre plus possible que bon gouvernement ça veut dire que pour bon gouvernement faut bon nouveau premier ministre maintenant l'état supposé vini de deux gros efforts fait yo et faut fait dans Mayotte et faut fait dans Kinam maintenant pour ça fait il va falloir que accord Mayotte plus accord Kinam mon chita ensemble pour dégager une alternative commune les sortes à parler de l'opposition c'est pour de jusqu'où nous l'opposition parler à c'est dans dictionnaire son mot français en général tant que politique fait dans l'autre pays mais on veut opposition plurielle côté que une pas même Mayotte là tout tout ça chita ensemble une pas quoi l'autre non pas ouais sa famille Laval là ça ils assisté subi dans Mayotte ou pas ouais madame Edmond Sublice Bozil t'es obligé pas venir jour abandonné donc bon hypocrisie bon bluff même gens tout ni dans Mayotte ni dans Kinam il y a des partis cap signé yo pas légal non yo pas reconnu dans le ministère de la justice hein? Donc ça veut dire que je dis c'est pour ça me parle de prise de conscience donc ça veut dire deuxième lundi mois de janvier moi plus sûr que situation gain là plus sûr que nous pour aller vers deuxième lundi mois de janvier avec situation où elle est là. Sauf que avant décembre, avant 31 décembre, si nous gagnons une délégation américaine en plus qui vient en Haïti, soit deuxième ou premier responsable département d'État, situation est capable justement beaucoup plus diluer. C'est-à-dire que, monsieur que département d'État commence à garder dossier, chaque responsable parti politique qui n'a alternative consensuelle là, tout n'a qu'à bloquer pays qui dit au pas parler avec président Jovenel Moïse, ou du pas parler avec président Jovenel Moïse, même gens qui ont été demandé agenda, ils ont été attaqués, diplomates, personnalité diplôme, dernier diplomate qui est là, mais justement les États-Unis d'Amérique lui-même, bon, il va partir consulat avec Mandelfel, parce que tout autant ne va changer pays hein, pour lever ce qu'on figue nous, pour que nous fassions développement endogène, pour nous développer pays, on a toujours un pays qui est à monde. On est une situation séglocratique, un problème national, mais qui est impacté tout le territoire national là. Et là, c'est ça, nous-mêmes, le niveau des États-Unis, nous faisons un ensemble d'efforts pour nous être capables de satisfaire les populations maintenant, même si voilà, c'est difficile, même si c'est compliqué. Mais l'effort que nous faisons, c'est la présidence qui permet de nous faire un assainissement et pendant la période au mois d'octobre. Là. Par contre, pendant les semaines hier, nous avons fait payer à la lycée noire ici, côté nous avons payé presque 1000 monde. Donc, côté population, on est satisfait parce que nous avons acheté des vignes et nous avons une possibilité pour permettre de manger la caillou. Donc, il y a ça, et nous dit la présidence en aussi, parce que normalement, l'aile rivale de l'aile de temps, les populations normalement pas capables de bénéficier de l'activité, là, mais les gens qui sont venus, ils étaient vraiment satisfaits, ils étaient contents, et nous étions satisfaits, nous étions satisfaits à la caillou. Donc, et nous, dans la période fin d'année, côté la bien pour nous continuer le travail pour nous porter vivre là et pour permettre aux populations de joindre qui choisit pour mettre la prochaine pour nous passer cette fin d'année là. Dans ce sens-là, on a demandé au gouvernement, particulièrement la présidence de la Tunisie, d'être capable de laver qui choisit au niveau commune de l'Union pour les populations capables de continuer et survivre. Parce que nous connaissons, et par rapport à la crise politique pays, nous connaissons assiette fiscale nationale qui amaigrit parce que nous connaissons pendant la période difficile ça, nous connaissons et DGI fermé et monde qui vous payez taxes ou pas payer taxes, l'argent pas rentré dans l'assiette fiscale là. Donc ça veut dire nous connaissons et le gouvernement a des propres difficultés par lui, même nous-mêmes qui en de municipalité, en de pays, nous avons des problèmes pas nous tout. Parce que normalement nous-mêmes nous avons des difficultés même pour nous payer employés la fin d'année là. Et en demi-heure, nous ne pouvons pas payer, son obligation, faut payer, parce que faut que nous devons rien dans mes yeux passer et faire derrière. Donc, nous avons fait une bataille, des batailles, ce même temps-là, pour nous qui sommes capables de protéger la population. Nous gagnons tout un gros coup de chapeau qui nous donne la police, le niveau et communément, qui nous donne un gros coup de main, non seulement pour assurer la sécurité,
le niveau et communal. Parce que depuis tantôt deux mois là, Kabadou et la police ont un travail impeccable qui a promis le niveau et communal. Nous avons une direction de la patate de PTC à tout, qui n'a pas abandonné la veille des ennemis. Si c'est la TVTC, c'est sûr et certain, et nous sommes capables de surmonter PATA et TVTC et des modules, et c'est une bagarre qui permet, je ne veux dire, on pourrait vivre là, si vous parlez par rapport à la période passée, on pourrait donner au changer. Et nous gagnons seul presse FATA, et pour toute ville là, c'est lui-même qui travaille, donc ça veut dire, nous manquons matériel, mais et pour nous capables de continuer qui vivre la porte, mais la fête est incapable, et ça pour nous commencer à faire lui, pour continuer qui vivre la porte. Et sauf que, donc on est et il y a des activités nous pas supposé entreprendre et pendant la période là, mais vu que nous avons des problèmes et finances, donc ça on dit jamais de nous et en doute parce que nous pouvons aussi côté la yasso. Organisation sociopolitique chauffeur 32. Solidarité garçon ak femme dans la commune d'Elma. Nous demandons pour le peuple haïtien prendre conscience. Ouvrez-nous avec le président Jovenel Moïse pour le pays d'Haïti sous progrès. Parce que la majorité du peuple a souffert dans la misère côté ces violences qui ont fait sens tout côté. Haïti, nous devons Haïti chida sur le système barricade. Misère, violence, côté éducation, c'est force développement du pays. Je ne dis, si mon classe masse peuple là, pourquoi j'aime des chances pour prendre chimer l'école. Avec les parents qui étaient à souffrir pour aller dans l'activité, pour jouer une possibilité pour. Bay fòm yo sipò ekonomik pou yo jwenn si la vi miyò. Chofèt gande mande tout moun leve kanpe pou ale nan tout aktivite yo. Paske politik sistèm bay kèd la, se plis mize ki pa yon avni pou jenès la. Nou mande pou prezidant ak institisyon ka pè travay sosyèl yo, mete yon politik devlopman rapide pou pote yon ameliorasyon pour chaque monde une chance capable de nous plat manger chaque jour puis manger pour jouer une santé à tout notre droit respecté. Au cours des trois semaines précédentes, nous nous sommes mobilisés durant les 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Nous avons aussi célébré plusieurs journées internationales ayant trait aux droits humains pendant cette période, dont la journée pour l'abolition de l'esclavage et la journée des personnes handicapées. Aujourd'hui, c'est Haïti qui célèbre, commémore et consacre les droits humains. Après plusieurs mois de préparation, plusieurs mois de travail, le plan national des droits humains est en passe d'être finalisé. Cet aboutissement démontre la volonté des décideurs de la société haïtienne et de tous ceux qui ont contribué à la rédaction de ce plan à prendre en considération les obligations internationales d'Haïti. En effet, l'élaboration du plan national remplit une des recommandations, ou en fait plusieurs recommandations, faites par les États membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lors du dernier passage d'Haïti à l'examen périodique universel en 2016. Le document qui sera discuté aujourd'hui vise à promouvoir et à protéger les droits humains des Haïtiens et des Haïtiennes, ainsi que de leur permettre de revendiquer et d'exercer pleinement leurs droits civiques, politiques, mais également leurs droits économiques, sociaux et culturels. Je nourris l'espoir que l'événement qui nous réunit ici va rassembler les institutions publiques et la société civile afin de sceller l'engagement commun d'améliorer la situation des droits humains des Haïtiens et des Haïtiennes dans ce pays.
Mesdames, Messieurs, la promotion et la protection des droits humains sont intimement liées aux problématiques de justice et de lutte contre l'impunité. Bien qu'Haïti ait accompli des progrès importants en matière de lutte contre l'impunité au cours de ces dernières décennies, il reste encore beaucoup à faire. Enquêter sur, poursuivre les gens qui sont soupçonnés d'avoir commis des violations et des abus de droits humains, notamment dans les dossiers de La Saline et de Bel Air, est important pour que Haïti devienne un état de droit et que les droits soient respectés. Conformément à ces engagements pris au sein du système onusien de protection des droits de l'homme à travers les différents organes de l'Organisation des Nations Unies, notamment le Conseil des droits de l'homme, Haïti a pour obligation, disons mieux, les autorités haïtiennes ont pour obligation de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits humains. L'application de ces trois obligations majeures de l'État passe bien évidemment par l'adoption ou bien l'élaboration d'un plan d'action national. Voilà en quelque sorte l'une des raisons qui justifie la tenue de cette activité ici ce matin à l'hôtel Kinam. L'OPC salue donc les efforts consentis par le gouvernement haïtien, particulièrement l'intérêt manifeste de la ministre déléguée chargée des droits de l'homme, Madame Stéphanie Auguste, pour faire avancer la question de l'élaboration du plan national d'action des droits de l'homme et aussi le suivi des recommandations du Conseil des droits de l'homme acceptées par le gouvernement haïtien. Toujours dans la même ligne, nous voulons adresser des félicitations au bureau de la représentante spéciale des Nations Unies qui n'a jamais marchandé son engagement à l'État haïtien dans le cadre de l'élaboration de ce plan national d'action. Nous devons préciser pour vous, chers amis, que des séminaires, des conférences, des tables rondes ont été organisées ici à Port-au-Prince et dans certaines villes de province avec l'appui déjà de la MINUJUST et aussi le bureau intégré des Nations Unies qui décide de prendre la relève. Je suis heureuse de procéder à l'ouverture de cet atelier et ma présence ici témoigne de la grande importance accordée par le gouvernement aux questions des droits de l'homme. Je salue votre présence et vous remercie d'avoir fait le déplacement pour participer à cet atelier de consultation qui a été à trois reprises renvoyé à cause des troubles sociopolitiques qu'a connu le pays ces derniers mois. Finalement, nous y sommes aujourd'hui et c'est pour la bonne cause. Un remerciement spécial aux acteurs de la société civile, aux membres des collectivités territoriales qui ont participé ouvertement à des groupes focus et qui ont alimenté les débats dans cette ambitieuse entreprise. Ces différents échanges représentent un effort collectif important pour nouer le dialogue inclusif avec un large éventail de citoyens, entendre leur point de vue et intégrer les préoccupations relatives aux droits de l'homme propres à chaque secteur. Aujourd'hui, cet exercice de réflexion fondamentale nous permettra tous d'asseoir et de mieux ficeler les idées afin de fournir un travail remarquable. Une telle démarche s'inscrit dans la perspective de compléter et de parfaire ce rapport en vue de déceler les progrès réalisés par l'État haïtien eu égard à ce mécanisme.
À ce compte, mesdames, messieurs, je ne saurais ne pas prendre le temps de vous présenter ce plan d'action national de droits humains. En effet, en 2014, le bureau de la ministre déléguée chargée des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême et le comité interministériel des droits de la personne, CIDP, ont produit un premier projet de plan national des droits de l'homme dans lequel ils ont répertorié les recommandations formulées par les différentes institutions internationales. Malheureusement, ce projet de document qui constituait un premier pas sérieux vers l'intégration des droits de l'homme dans les politiques publiques n'a jamais fait l'objet d'une mise en forme définitive. Le renouvellement du poste de ministre délégué chargé des droits de l'homme en septembre 2018 par le président Jovenel Moïse répond non seulement à l'application des recommandations des instances internationales, mais témoigne surtout de l'importance qu'accorde le président aux questions des droits humains. Mesdames, Messieurs, ce plan d'action s'appuie sur les priorités du gouvernement définies dans le plan stratégique de développement d'Haïti. Il prend en compte 5 piliers cités dans le dernier rapport de l'expert indépendant des Nations Unies en Haïti en 2016, dans lequel ce dernier a insisté sur les efforts que le gouvernement doit consentir. Il intervient également et surtout en réponse aux 188 recommandations du Conseil des droits de l'homme faites lors du deuxième passage d'Haïti à l'examen périodique universel et qui ont été acceptées par l'État haïtien en mars 2017. Monsieur le représentant du Premier ministre, Excellence Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Mesdames, Messieurs, au rejet le monde, la génération égalité s'oppose au viol. Tel est le thème international retenu pour marquer l'événement de cette année. Ce choix traduit à la fois la reconnaissance d'un fléau qui touche des femmes, des êtres humains dans leur dignité, mais également la nécessité d'attirer l'attention des décideurs politiques, des leaders de la société civile, des leaders religieux et communautaires, des hommes et femmes d'affaires, des professionnels, des jeunes, des villes et des zones rurales, des quartiers populaires, des zones aisées sur une chose, l'urgence d'agir. L'urgence d'agir car trop de femmes et trop de filles sont victimes de ces violences. Il est temps que ces violences cessent. Mesdames et messieurs, ce cri de révolte a été entendu au cours des différentes activités ayant marqué la campagne de 16 jours d'activisme du 25 novembre au 10 décembre de cette année, du président de la République qui a fait part de sa préoccupation au regard de la triste réalité des violences auxquelles font face les femmes dans ce pays, des jeunes filles et des jeunes hommes de Jérémy, de Taille, de Port-au-Prince et d'autres localités qui se sont engagés à promouvoir de meilleures relations hommes-femmes et surtout à éliminer la violence de ces relations, en passant par la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes qui a donné un ton dynamique à cette campagne et a engagé et soutenu plusieurs actions pour renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et en allant avec le rôle clé et décisif que les leaders des organisations de femmes ont joué
nous pouvons dire ensemble ici que toutes et tous ont tiré la sonnette d'alarme sur la gravité du fléau et l'urgence d'agir. En fonction de ces considérations, l'État s'est engagé à travers la signature et la ratification de conventions internationales et un certain nombre de mesures allant dans le sens de la promotion de l'égalité entre les sexes. Entre autres, la création du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes en 1994, chargé d'œuvrer à l'émergence d'une société juste et égalitaire. À cet égard, je veux mettre l'accent sur quelques mesures législatives et structurelles dont la plus récente est celle qui modifie le code pénal en matière d'agression sexuelle et d'adultère, juillet 2005. Les actions de coordination et d'harmonisation des interventions en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles au niveau de la concertation nationale. L'élaboration de l'avant-projet de loi cadre sur la prévention, la sanction et l'élimination de toutes les formes de violences faites aux femmes. L'élaboration du deuxième plan national de lutte contre les violences faites aux femmes 2017-2027. Sans omettre les divers outils de sensibilisation produits à cet effet, qui sont des avancées majeures dans cette quête vers une société plus juste. Malgré ces avancées sur les plans théoriques, structurels, légaux et en matière d'éducation, de sensibilisation des populations, la réalité nous interpelle au quotidien en raison de sa récurrence. J'en veux pour preuve des cas portant de viol qui continuent de miner les efforts de toutes les actrices, de tous les acteurs dans le domaine, spécialement les organisations de femmes et féministes. Le gouvernement a mis l'accent sur leur mobilisation au cours de cette campagne. En effet, des milliers de jeunes se sont mobilisés pour sensibiliser leurs pères ainsi que d'autres membres des communautés sur les effets de violence. À ce niveau, je voudrais, au nom de tous les membres de l'administration Maurice Lapin, condamner très vigoureusement les viols perpétrés cette dernière semaine contre les femmes et les jeunes filles de notre pays. Et des malfaiteurs qui profitent du climat d'insécurité pour commettre leurs forfaits. Et je vous garantis, ils ne resteront pas impunis. Et le gouvernement s'y engage solennellement. Dans la suite des activités de la campagne, plusieurs dialogues intergénérationnels ont été organisés avec les femmes et les jeunes qui ont permis à ces groupes de définir les lieux communs de leur lutte contre les violences, de sorte à identifier les atouts et forces chacun pour mieux évoluer en synergie et ainsi accroître leurs efficacités. Nous sommes conscients de la nécessité de renforcer le cadre légal pour mieux protéger les femmes contre toutes les formes d'agression. C'est la raison pour laquelle le gouvernement se félicite de la conférence organisée dans cette optique. Les recommandations sont et actions urgentes de la campagne étant identifiées, je souhaite à tous les acteurs, toutes les actrices et partenaires une bonne continuation de vos activités respectives, de sorte que la mise en synergie de nos actions permette de produire les résultats escomptés par le président de la République. Et sans oublier les victimes qui ont les yeux rivés sur nous. Sur ce, je déclare close la campagne des 5 jours d'activistes contre les violences faites aux femmes et aux filles.
Alors, je veux, au nom de ECC, remercier Avocats sans frontières du Canada qui a développé cet accord de partenariat. Et je vais vous dire, avec des fonds du Canada, des affaires mondiales du Canada, l'idée pour nous, c'est de doter les associations haïtiennes d'un matériel didactique. C'est une des composantes du projet, la première composante. Et je vais vous dire de quoi il s'agit. La durée du projet, slide, la durée du projet, et le projet a commencé le 1er novembre 2019 et prend fin le 31 octobre 2020. Le budget, on a un budget de 2 854 500 euros, et autour de 30 000 $. Et le projet a deux composantes. La première composante concerne le développement de matériel didactique. Nous voulons outiller les citoyens, mettre dans leurs mains, dans les mains des associations, un outil, un matériel didactique qui leur permettra de lutter contre la corruption, et nous voulons en même temps former 16 relais locaux à travers le pays, dans les différentes régions. Nous avons identifié 4 régions. La région du Grand Nord qui comprend le département du Nord et le département du Nord-Est. La deuxième région, c'est la région transversale, Nord-Ouest, Antibonite et Centre. La troisième région concerne l'Ouest et le Sud, Sud-Est, l'Ouest et le Sud-Est. Et la quatrième région, c'est le Grand Sud, Mid, Sud et Grand Est. La deuxième composante concerne un appui à une conférence internationale où nous allons réunir quelques pays qui ont développé des modèles de lutte contre la corruption, des modèles au sein de la société civile pour lutter contre la corruption. Donc, c'est deux composantes qu'il y a dans ce projet. De mon côté, je vais juste vous présenter le projet Accès à la justice et lutte contre l'impunité. C'est un projet porté par Avocats sans frontières Canada en collaboration avec la Fondation Connaissance et Liberté et également avec l'Office de protection du citoyen et de la citoyenne. Nous sommes aussi en partenariat avec plusieurs organisations de la société civile, dont ECC, c'est ce qui explique justement notre présence ici. C'est dans le cadre de ce partenariat-là. Les résultats attendus de ce projet qui est mené, comme je viens de le dire, par Avocats sans frontières Canada, qui est une organisation internationale de coopération internationale et qui est présente dans plusieurs pays de l'Afrique, de l'Amérique latine. Donc, à travers ce projet Accès à la justice et lutte contre l'impunité, nous espérons qu'à la fin du projet qui a débuté au mois d'avril 2017 et qui prendra fin au mois de mars 2020, nous espérons qu'au terme de ce projet, des lois inconstitutionnelles qui discriminent les femmes, les enfants, les apatrides, les minorités sexuelles ou les détenus sont invalidées, si vous voyez, nous ne parlons pas au futur, mais au présent, parce qu'on y croit, sont invalidées par les tribunaux et même vers des réformes qui changent le système de justice en Haïti. Nous avons commencé à un effectif très réduit, mais au fur et à mesure,
yo a augmenté pour arriver journée aujourd'hui à nous gain presque complètement pour philo, pour 9e, pour secondaire 3, presque toute secondaire là. Bon, pour sécurité à son bail national, tout le monde fait, y compris les vieux, tout le monde, parce que nous-mêmes nous avons fonctionné de 2h à 7h30, 8h. Maintenant qu'on y a avec conjoncture particulière ça, nous fonctionnons, nous commençons à 1h depuis 6h, 6h30, nous l'avons. Parce que depuis où elle commence à faire tout le monde paniquer, la direction y compris les élèves. Même pas ces civils-là, ils ont plus risqué leur civil-là que leur uniforme. Parce que quand il n'y a pas de problème dans la rue, là, et puis il prend une comme un qui a fait un mauvais bagage parce qu'il n'y a pas identifiable, il n'y a pas d'uniforme. Je pense que c'est son héros qui est sur l'uniforme. Je pense qu'il y a un remédier à ça. Nous avons une bonne partie dans le programme. Nous même pensé avec boucher double que nous allons mettre là, la fini par faire. Parce que quand même, nous fermer l'école là en juillet, nous n'avons pas vu quitter l'année, ça a une répercussion sur l'année prochaine de toute façon. Pour nous faire un genre pour nous boucler l'année pour nous reprendre l'année qui a venu. Ça là c'est à mettre de boucher d'autres, c'est pas direction seulement parce que c'est toi du fait de faire l'école là, faut gagner parents là dedans, faut gagner élèves, comité parents, comité élèves, y compris tous les élèves, toutes les classes, faut tout mettre de boucher d'autres pour finir pour le programme là pour boucler. À chaque fois qu'on parle d'enfants dans ce pays, elle donne toute son énergie, elle donne tout son temps. Aujourd'hui, je sais tout ce qu'elle pourrait dire en cette occasion. D'abord, je sais qu'elle aurait pris le temps de saluer M. Jean-Claude Serin, cette personne aujourd'hui qui sera honorée pour l'ensemble de ses réalisations dans le secteur des droits des enfants. Je sais qu'elle serait aussi très contente d'entendre les deux enfants de tout à l'heure, celle qui a chanté et aussi celle qui nous a démontré, au-delà des mots, que nous toutes, c'est une. À l'occasion du 20 novembre de cette année, on devrait célébrer le 30e année de la ratification, alors le 25e année de la ratification de la Convention des droits de l'enfant par Haïti, et on devrait aussi par ailleurs célébrer le 30e anniversaire de cette déclaration des droits de l'enfant dans le monde. Et le message principal qu'on a eu, c'était de demander à tout un chacun de se mettre disponible, de se mettre avec toutes les autorités politiques, les autorités de la société civile, pour pouvoir donner des résultats. Parce qu'en effet, qu'est-ce qu'on peut faire quand l'État déciderait de fixer des règles et que par ailleurs, les règles ne seraient pas respectées? Donc, on n'aurait pas nécessairement des résultats. Qu'est-ce qu'on ferait si on décide que les enfants aillent à l'école et qu'il y ait des barricades et que les enfants ne peuvent pas aller à l'école? Donc, cette année, on s'est dit qu'il était définitivement important qu'on arrive à mobiliser toute la communauté, qu'on arrive à mobiliser tout le monde sur cette nécessité de protéger le droit des enfants. Chez nous, en Haïti, 30 ans après l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant, il est regrettable de constater que nos enfants paient au prix fort cette intolérance, foulant aux pieds leurs droits fondamentaux. C'est dans cette même intolérance qu'il a valu le report de cette cérémonie initialement prévue le jour de la commémoration du 30e anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits des enfants le 20 novembre dernier. Malheureusement, la cérémonie n'a pas pu avoir lieu en raison des turbulences qu'a connu le pays pendant les derniers mois, avec notamment des troubles politiques, les blocages de routes et la recrudescence des actes de banditisme, limitant les déplacements de la majorité de la population haïtienne, violant ainsi le droit à la circulation garanti par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'aspect anecdotique de la situation s'est clairement révélé à travers le droit à l'éducation des enfants foulé au pied le même jour, le 20 novembre,
rappelant la date de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant. Plus de 3 millions d'enfants ne sont pas parvenus à jouir de leur droit à l'éducation ce jour-là à cause des mésententes politiques entre les adultes au pouvoir et ceux aspirant à être au pouvoir. Or, l'article 2 de la Convention ratifié par Haïti en décembre 1994 stipule que les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou ses représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de leur situation. De plus, la déclaration sur la sécurité dans les écoles, The Safe Schools Declaration en anglais, approuvée par Haïti en janvier 2019, appelle à assurer la continuité de l'éducation des enfants même durant les conflits. Un peu plus tôt, en septembre dernier, ce même droit à l'éducation a été méprisé lors de la pénurie du carburant qui avait sévèrement affecté le transport public dont dépend la majorité des enfants vivant dans les villes pour se rendre à l'école. La communauté éducative en général et les parents en particulier se sont plaints de cette malheureuse situation dont les enfants ont été les principales victimes. Selon le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, 70% des écoles du pays sont restées fermées jusqu'à la fin de novembre 2019. Ce qui signifie que d'enfants n'ont pas pu commencer ou poursuivre leur éducation. 50 jours de classe sur un total de 189, non suffisants, ont été déjà perdus, créant ainsi un déficit énorme d'apprentissage pour les élèves et les étudiants. Je vous remercie tous les collègues, frères, ma soeur, tous les amis, qui, à travers les années, pendant 40 ans, car ils ont commencé en 1980 et pour arriver en 2020, ça fait 40 ans de service. Et tout collègue qui travaille avec moi dans n'importe quelle organisation pour les jeunesse. Et tout ça, nous désirons pour nous tous, nous se voyons dans nous tous, que nous allons partager avec nous matin. Premièrement, c'est à alors tous les gens sortis dans la Bible. Alors, qui vous fait parler de l'arroseur arrosé? En fait, il me parle de l'arroseur arroseur arrosé. Il y a un verset dans la Bible qui dit à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup donné. À qui il a été beaucoup donné et frère Seigneur, monsieur Sabon, quand il est devant là, il recevra un pire dans la main.
Le 20 novembre 2019, le monde a commémoré un moment historique dans le cadre des efforts pour le respect des droits des enfants. Il s'agit bien sûr de l'adoption de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant que nous appelons la CID ou encore en créole Accord sur droit du monde. Cet engagement pris par l'ensemble des États parties est une promesse faite aux enfants. Le monde peut en effet se réjouir de cette avancée majeure, ça nous pouvons le dire, qui prouve que le bien-être des enfants est au cœur des priorités des pays. Haïti, pour sa part, a ratifié cette convention en 1994, se donnant ainsi une obligation de considérer par cet engagement le droit des enfants comme une priorité nationale. La CID, ou encore la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, est donc devenue par cette ratification un outil incontournable pour les acteurs travaillant avec les enfants en Haïti. Bien que de nombreux progrès aient été constatés dans le cadre de son application, particulièrement au niveau du cadre légal visant à faciliter le respect des droits des enfants, il reste encore beaucoup à faire, notamment pour renforcer la législation en faveur des enfants et son application. Des efforts plus considérables sont donc à déployer dans le sens de progrès beaucoup plus significatifs. À Terre des Hommes Suisses, nous avons opté pour une commémoration des 30 ans au cours du mois de décembre dans le sens du renforcement des interventions dans les communautés où interviennent nos partenaires, dont j'ai déjà mentionné les noms, particulièrement sur l'axe de la protection de l'enfant. Ce forum se déroulera du 13 au 14 décembre, donc sur deux jours, autour du thème « Un travail pour droit tout si monde respecté à la ronde badé ». Nous souhaitons, à travers l'espace ça que nous gagnons, journée aujourd'hui avec demain, river identifier l'autre élément que nous capables de mettre en évidence pour que nous capables de travailler sur un mécanisme qui pour permettre nous répondre plus adéquatement et plus efficacement à des cas d'abus qui capables de river sous Timounio dans la zone d'intervention côté que nous-mêmes, Terre des Hommes Suisses, avec partenaire Lio, intervenus. Voilà. Équipe TVK et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbe et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.